Aujourd'hui, on est content de notre performance. Avec le premier but de la saison pour le PSG en Lidl Star League, inscrit par Luka Karabatic, le capitaine, comme un symbole. C'est un moment d'histoire, peut-être, que s'apprête à vivre Mikkel Hansen avec ce 1000e but inscrit en championnat de France. C'est terminé pour les espoirs nantais. Et derrière, la cartouche du bulldozer Nicolas Karabatic. Et un moment d'histoire, effectivement, puisque Nedim Remili atteint la barre des 500 buts en Lidl Star League, l'arrière-droit parisien. Paris, trop fort, tout simplement. Succès logique d'un PSG sans forcer. Et attention à ce déplacement périlleux pour les Parisiens qui avaient été accrochés, on s'en souvient, et de quelle manière la saison dernière avec Mikdal Duré, la longue course. Oh, super ! Ce que vient de réaliser le Suédois. En tout cas, le public du Parnasse se remet à y croire clairement. Un ballon de moins de... Avec la puissance d'Elohim Prandi qui va retrouver Luka Karabatic pour aller inscrire le but de la victoire vraisemblablement. Statique. Et l'arrêt de Vincent Gérard pour mettre un terme définitif à cette partie. Le PSG reste la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs. Paris est plus que jamais leader. Ça a été une démonstration de force de Paris, on a eu cette impression-là. Effectivement, depuis le début de la saison, Paris est une machine huilée et impressionnante. Nicolas Karabatic, c'est... Oh, le voilà à nouveau. Allez, ce ballon pour revenir à deux longueurs. Chambéry existe encore. Traoré, c'est un ballon d'égalisation à négocier pour les Chambériens. Oh, le tir sur la barre détourné par Vincent Gérard. Qu'il vaut cher à ce moment-là de la rencontre. Malgré un beau visage montré par Chambéry, Paris était trop fort. Karabatic de loin, quelle puissance une nouvelle fois. Le tir monstrueux de Nicolas Karabatic. Je pense qu'on a su mettre les ingrédients dès le début en défense. C'est ce qui a fait la différence. Parce que tout simplement, Paris a été sans pitié. Oh, superbe. Voilà. Magnifique. Exceptionnel. Oh. Aix-en-Provence en venant ici à Paris. Et une nouvelle fois, le spectacle offert par les Parisiens. À défaut d'avoir la sainte victoire, Paris aura infligé à Aix-en-Provence une défaite diabolique. Félicitations, Luka, pour... Une nouvelle impression d'un rouleau compresseur. Comme vous l'avez dit, on leur a un peu marché dessus entre guillemets. On a joué vite, fort, en montant les montées de balles et ils ont pas pu nous arrêter. Donc. L'un des tournants de ce début de saison en cas de victoire, Paris assommerait sans doute la concurrence. La vitesse de Luka Ballon et le spectacle pour la conclusion. Finalement à sens unique, le service pour Camille Chirpsak qui vient clôturer. Un cavalier seul ou presque de la part d'un immense PSG. Mission impossible face à Paris pour des Raphaëlois. La vérité au bout des 60 minutes. Ouais, ça va trop vite. Le jeu du Bonto. 39-26. Saint Raphaël au supplice. Paris aura ultra dominé. On a su être patient et imposer notre rythme pour les faire éclater petit à petit. Donc c'est une très bonne chose. Regardez, le coup de poignet et bam, le récital, c'est déposé. Je suis très content avec notre boulot aujourd'hui, c'était bien stable et bien concentré. On reste invaincu en championnat, donc c'est vraiment l'objectif. Voilà, le kung fu remarquable. Nicolas Karabatic, le service, Mikkel Hansen. Le PSG s'impose, deux débuts, 38-28, soir de démonstration une nouvelle fois. On est très concentré dans nos matchs. On rentre appliqué, on essaye de donner le maximum, ça nous réussit plutôt bien. Encore une nouvelle fois le coup de foot. Paris n'a plus perdu ici même dans sa salle. Depuis le 8 juin 2017, une défaite face à Nantes. Plus 13, c'est une nouvelle fois le plus gros écart cette saison infligé par Paris à l'un de ses adversaires. Un duel pour peut-être l'un des tournants de la saison. L'état de grâce pour le moment côté nantais sur le renversement. Et dans l'intervalle, 4-0. Des parcs canons et le temps mort posé par Raúl González. Cyril Dumoulin, là aussi, un duel qui peut faire énormément douter les Parisiens après 34 minutes et
25 secondes de jeu, Paris prend la tête. Le bras n'est pas levé, Olivier Niokas y retourne. Oh, le missile sans l'air. On va en rester là, on va en rester là. Et c'est un match nul au terme d'une rencontre formidable. 29 partout entre Nantes et le PSG. Quel combat, quelle soirée. Le PSG invincible sur la scène nationale. 21 matchs et 20 victoires. Le magicien a sorti de son bandeau. Regardez un ça. Lapin. Regardez ça. Pour Camille Chipsac. Et on va en rester là. Avec cette victoire. 39-29 plus 10 en faveur du PSG. On sait que nous, on se doit à chaque fois de remettre le couvert, surtout d'être constant pendant 60 minutes. On les a asphyxiés, donc c'est un très très bon match de notre part. Merci Lucas, félicitations.